Salut YouTube, c'est Rookster, nouvelle vidéo de Dead by Daylight Killer avec Ghostface, avec un build bien que vous connaissez bien. Je vous explique, on va partir sur garder meilleur pour la fin. Vous avez une obsession pour un survivant, donc compétence de Myers. Lorsque vous faites une attaque de base réussie, qui n'est pas infligée à votre obsession, vous aurez un jeton qui vous donnera une réduction cumulable de 5% sur la récupération de vos attaques de base, et ce jusqu'à 8 jetons, donc 40%. Si vous frappez votre obsession avec une attaque de base, vous perdrez 2 jetons, donc 10% d'un coup en moins. Et si celle-ci meurt, eh bien, vous ne pouvez plus gagner 2 jetons et vous terminez la partie avec le nombre de jetons en votre possession. Vous allez prendre le coup de grâce des jumeaux qui fait que chaque fois qu'un générateur est terminé, cette compétence gagne en puissance. Vous avez donc 2 jetons pour un maximum de 5 jetons en votre possession. Je rappelle, lorsque vous dépensez un jeton, vous allez augmenter la distance de votre prochaine attaque chargée de 80%. Vous allez prendre force brusque donc du piégeur, qui fait que lorsque vous allez détruire les palettes lâchées, les murs destructibles et les générateurs, vous le ferez 20% plus vite. Enfin, vous allez prendre l'impasse du cénobite, qui fait que lorsqu'un générateur est réparé, l'entité bloque le générateur avec la meilleure progression pendant 30 secondes et vous verrez son aura en blanc. Pour ce qui est des add-ons, vous allez prendre Philly, qui va réduire de 20% le temps requis pour marquer un survivant. Et vous allez prendre le portefeuille d'Olsen, qui va faire que lorsque vous allez détruire une palette ou un mur, eh bien vous allez recharger immédiatement votre compétence de linceul, qui vous permet de stalk. L'idée dans ce build est simple, vous allez maximiser les jetons, donc garder le meilleur pour la fin, afin d'avoir des chases beaucoup plus rapides. Lorsque les générateurs vont être terminés, vous allez avoir des jetons de coup de grâce qui vont permettre de surprendre les survivants, puisque la distance vraiment effectuée avec coup de grâce est insane. Surtout, ne faites pas l'erreur de vouloir stack trop vos coups de grâce, puisque je rappelle, vous avez un maximum de 5 jetons en votre possession, mais vous en gagnez 2 à chaque fois par générateur. Il y a 5 générateurs, vous pouvez donc avoir au maximum 10 jetons par partie. Vous allez avoir la force brute qui va vous permettre de détruire les palettes et combiner donc avec le portefeuille d'Olsen. Avec Ghostface, petit tips, lorsque vous mettez une attaque de base sur un survivant qui était stalk, eh bien vous allez lui enlever le stalk. Ce qui fait que si jamais vous avez un survivant qui est avec un très bon niveau de stalk et que vous avez un survivant qui n'en a pas, privilégiez vraiment le survivant qui n'a pas de stalk, puisque sinon vous perdriez eh bien le bénéfice de mettre le survivant qui était stalk en état critique. Donc, conservez ce stalk pour plus tard dans la partie. Enfin, l'impasse vous permettra tout simplement de ralentir eh bien, le rythme de réparation des générateurs. Pour ce qui est des add-ons, avec Philly, vous allez eh bien, pouvoir stalk beaucoup plus rapidement les survivants, notamment si vous êtes accroupi sur une surface. Je rappelle, vous pouvez le faire notamment sur des arbres, par rapport aux générateurs, etc. Vous verrez l'indication tout le temps. Et le portefeuille eh bien, d'Olsen vous permettra, lorsque vous détruisez une palette ou un mur, de... Eh bien, rechargez immédiatement le linceul nocturne. Donc, admettons, vous êtes en chase avec un survivant, il va mettre une palette. Admettons, ce survivant était à 90%, 95% eh bien, de stalk. Vous allez détruire la palette, vous allez instantanément eh bien, remettre votre pouvoir, vous allez finir de stalk. Et si jamais vous avez donc le coup de grâce, vous pourrez le surprendre et le mettre en état critique instantanément. Je vous laisse donc découvrir ce gameplay, ça se passe sur Macmillan. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à Twitch du lundi au samedi de 18h à 23h. Le petit pouce bleu, la cloche et le plus important, bonne chasse à tous. Macmillan. Ok, ici il y a ça. Ok, là il y a une Kate. Regardez, on va faire genre. Regardez, on va faire genre. On va faire genre. Non, t'as pas envie? Regarde Boop. On va faire, on va... Non, ça marche pas, bon, dommage. je voulais la pâter, mais ça va, ça fonctionne pas. Dommage. Et où? Oh. Monsieur Visconti. D'accord, ok. Je suis deg il y a quelques jours, la mage des bottes. Ok, il m'a... du coup, il m'a découvert. Nice. Parfait. Ah merde, ça c'est un peu chiant ça. Ok, là c'est l'obsession. Dérange pas. Elle est partie dans l'autre sens. Bien joué. Ok, parfait. Bon, il va falloir qu'elle drop, hein. Ouais, elle va super vite. À mon avis, petite joueuse fait pour ça. Voilà, lust, hein.
Ça marche, des bisous, Mélie. Mais merci, j'ai rien fait, Mélie. Hein. Est-ce que j'ai absolument rien fait, hein. Ok, atterrissage équilibré ou pas? Ah bah, en tout cas, elle a atterri dans mes bras, ça c'est sûr. Merci beaucoup pour tout à l'heure, que Mélie, c'est super gentil. Ça marche, Frodon, merci d'avoir été là, passe une très bonne soirée. Ça, ça s'appelle un coup de grâce. Ok, dégage. Je pense que le coup de grâce, elle s'y attendait pas du tout. Hein. Je pense vraiment que le coup de grâce, la collègue, elle s'y attendait pas du tout. Hein. Comme lui. Bon, je sais pas s'ils sont drôles, mais en tout cas, je sais pas ce qu'ils font. Se sont soignés sous hook. Parfait. On va aller du coup sur Claudette. Bien joué. Claudette, elle a la moitié, tu vois. Ça, c'est chiant, là. Ok, on va aller sur lui. Ah, nickel. C'est qui? Ok, c'est lui, parfait. Ah non, c'est purée, c'est pas le bon. Parce que si je fais ça, je gâche un stalk, en fait. Et ça, ça me saoule. J'ai pas envie. Ils sont tous blessés. Ok, d'accord. C'est pas du tout ça que je voulais, mais bon, à part ça, hein. Pas grave. Chelou, toi. Hein. J'ai encore un coup de grâce. Des dards, let's go, ça. Ça, c'est sexy. Mais du coup, elle est en suture, c'est pas mal. Ah ouais, tu trouves que... Ouais, ils veulent jouer. Bon après, tant mieux, hein. Écoute. Franchement, je préfère largement des survivants qui sont comme ça plutôt que des surfs qui jouent pas. Hein. Non mais... ça, c'est la nouvelle manie des... ça, c'est la nouvelle manie des surfs, ça. T-bag devant une palette avant de la baisser, tu vois. C'est pas... tu vois, ok. Oh, c'est un ace, lui, hein. Ça se voit. Ça c'est un ace. Ça ça s'appelle Ace Visconti ça. Là tu vois ça s'appelle juste Ace Visconti c'est tout. Moi je teabag toujours. Ouais bah après moi je m'en fous tu vois hein. Le teabag moi je... En soi tu vois c'est de la lutte psychologique si je puis dire tu vois. Les gens qui vont teabag, Mais... Au contraire, merci beaucoup, ça m'arrange que tu fasses ça, frérot. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment adorable de ta part. Merci bien, ça me fait extrêmement plaisir que t'aies fait ça.
Ok. Mais je crois qu'il est mort d'ailleurs. Je suis pas sûr, mais je crois. Ah bah voilà. Hop. Ouais, qu'il était mort. Et bah voilà. Voilà, il y a la Claudette qui est là-bas. En vrai, la Claudette, les gènes sont tellement avancés ici que limite, il faudrait que je laisse la Claudette, tu vois. Ah bah. Ah, elle est morte aussi, du coup. Elle est morte également. Ok, parfait. Voilà, monsieur Visconti, du coup. Bah j'ai un autre coup de grâce. Enfin j'ai deux coups de grâce d'ailleurs. Oh nice, bien joué ça. Ah d'accord, ok, il a continué. Et bah au revoir monsieur Visconti. La bise. Ok, et du coup l'autre elle a raté son QTE là-bas. Donc on va y aller, tranquille bilou. Ou alors elle le fait exprès, c'est pas possible. Ouais, ah non, en fait elle le fait pas exprès en fait. Elle a vraiment juste foiré complètement son QTE en fait. Elle a raté deux QTE en fait. D'accord, intéressant. Elle a vraiment raté deux QTE. Ok. Atterrissage équilibré, GG. C'est pas mal. Après si elle trouve la trappe, et bah c'est GG à elle. Et si elle est pas là, de toute manière après elle est morte parce que y a plus de palette là-bas. Ah si, il y en a une. Pas mauvaise la Claudette en plus, tu vois, c'est ça le pire. C'est que la Claudette elle est pas mauvaise. Et je l'ai pas vu de la game, tu vois. Y a pas de souci, Worm. J'espère que t'as des bonnes games du reste. J'espère que tu as des bonnes games. Ah bah let's go. Bah ça va super bien toi. Moi où elle est là-bas? Ah bah je la voyais pas, bah GG à elle. C'est bon elle est sortie du coup, GG à elle. Allez vas-y sors. J'aurais gagné si je l'avais les... si mais bon. Ouais elle jouait bien, elle jouait bien, elle jouait bien la... La Claudette elle jouait bien. Oh on laisse un kill. On laisse pardon une sortie. C'est du beau jeu. Elle a bien joué.